Salut les artistes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle séance. Le thème, c'est s'entraîner le haut du corps avec un balai. D'accord ? On va avoir besoin d'un balai, on va avoir besoin d'un banc, et on va avoir besoin d'élastique. Il va y avoir deux supersets et un dernier exercice pour travailler les épaules. Premier superset, pectoraux dos. Deuxième superset, biceps, triceps. Et le troisième superset pour les épaules. On commence dès maintenant. N'oublie pas, bien sûr, avant tout, de bien s'échauffer. Moi, je me suis déjà échauffé avant. On vient placer l'élastique sous le banc. On l'accroche d'un côté avec le balai. De l'autre côté, à l'autre extrémité du balai. Et on va être sur un développé couché classique. Le balai va nous servir de barre. Donc, on va venir plaquer le dos contre le banc. Monter les jambes pour justement éviter de creuser le dos. Pour vraiment travailler uniquement les pectoraux. Les épaules sont toujours en contact du banc. La barre, le balai est au niveau des pectoraux, au niveau des tétons. Et on va chercher à monter et redescendre. Donc là, les omoplates sont bien serrées. Et on fait 15 répétitions. Ça fait 5. 'Fin. Donc on est sur un super set, on va enchaîner directement avec un exercice pour travailler le dos, le muscle à l'opposé des pectoraux. On regarde, on garde le même dispositif, on plaque le genou sur le banc pour éviter que le mouvement monte. Le dos est droit et on va venir rapprocher les omoplates dans le dos, donc on tire le balai. Et même chose, on fait 15 répétitions. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Pendant qu'on travaille un groupe musculaire, l'autre se repose. Du coup, pas de repos, on enchaîne directement avec le développé couché. Ça permet de faire des séances plus rapides, mais très complètes. Et on est reparti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Hop. Alors pour ceux qui s'entraînent en salle de musculation, on peut très bien envisager de faire la même séance en salle. Parce que là, c'est vraiment comme si on remplace le balai par une barre olympique. Mais on peut très bien travailler avec une résistance élastique, ça pose aucun problème. 7, 8, 9, et là on serre bien les omoplates. 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On reproduit ce superset 4 fois, donc on a fait la moitié. Et on est reparti. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. L'élastique, ça va vous ramener la barre, le balai plus vite vers vous. Donc essayez de ralentir la descente et d'exploser à la montée. Vous voyez, je ralentis et j'explose. Et 15. Hop. Et on enchaîne. 1, 2, 3, 4. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Là, on est plutôt sur une séance pour un niveau intermédiaire, on peut dire, début d'intermédiaire. On peut imaginer un débutant le faire sans élastique. Pour vraiment juste déjà travailler la posture. Et on est parti pour le dernier. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et le dernier. Et on est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On va enchaîner avec le deuxième superset. Donc un superset pour travailler les biceps et les triceps. Pour travailler les biceps, on va venir mettre les pieds largeur d'épaule sur l'élastique. On passe le balai à l'intérieur. On le place bien au milieu. Et ensuite, on vient ramener le balai au niveau des bras. Coup de collet au corps. Et on est parti. On va un peu décaler les pieds pour regarder vers nos bras. On ne monte pas les épaules. Et même chose, 15 répétitions. 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et le deuxième exercice, on va reprendre notre position de tout à l'heure. On va venir travailler les triceps. D'accord, on va prendre un mouvement normalement de barre au front. Et cette fois-ci, on va réaliser un balai au front. Donc, bras tendus. On reprend notre position pour ne pas creuser le dos. Et on va chercher à plier les coudes pour ramener la barre au niveau du front. Et on démarre. 3, 4, 5, 6. On va faire que le coude qui se plie. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Hop. Et on enchaîne. Deuxième sec. 1, 2, 3, 4. Si vous voulez être bien droit, essayez de vous mettre contre un mur. Comme ça, vous vous collez contre le mur pour chercher à ce que votre dos touche complètement le mur. Et 4. Et on ramène au niveau du fond. 3. Là, les coups de pied contre le corps. Et on est reparti. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Troisième pour les triceps. Il nous en restera encore un à faire de chaque. Et on est parti. Alors si vous avez la possibilité de dévisser le balai, n'hésitez pas. Sur celui-là je ne pouvais pas, donc je suis obligé de garder l'extrémité. Bon, c'est pas grave, ça va. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Le dernier.
On est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et pour finir cette séance, on va passer à un tirage. Un tirage assis. On vient trouver un point de fixation. Non, pardon. Je vous dis une bêtise. C'était pour si on voulait faire un complément. Pour le dos, nous on va venir travailler les épaules. Donc je m'assois sur mon élastique en prenant soin de garder deux côtés plutôt petits. Je passe le balai d'un côté, je passe le balai de l'autre et je viens faire un développé au-dessus de la tête. 1, 2, garde bien le dos droit, 3, 4. On descend jusqu'à ce que les coudes. Les bras soient pareils au sol et on développe au-dessus de la tête. 14 et 15. Là par contre, on prend un petit peu de repos. Si jamais c'est trop dur de le faire avec un petit bras de levier, eh bien vous prenez un plus grand bras de levier. On vous asseyez ici. Vous pouvez passer votre balai ici, et là, du coup ça va être beaucoup plus simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Pareil, on prend une petite minute de repos pour souffler. Si ce type de vidéo d'entraînement avec un balai et un élastique vous plaît, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires si vous voulez avoir la vidéo sur la même chose mais pour le bas du corps. On peut très bien s'en servir pour le bas du corps. On est reparti pour la troisième série. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Même chose, hein. Si vous voulez une autre vidéo, une vidéo sur le même thème, le haut du corps, mais où on va travailler avec d'autres exercices, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, il n'y a pas de problème. Encore un petit peu de repos pour notre dernière série déjà, dernière série de cette séance. Vous voyez, c'est une séance assez rapide. On doit être à 15 minutes, même pas. Échauffement et étirement compris, on est allé sur une demi-heure. Vous voyez, c'est très très rapide, mais au moins, c'est bien complet pour le haut du corps. Et on est reparti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14 et 15. Top. La séance est finie. N'oubliez pas de vous étirer, c'est très important. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer, n'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à la partager. Pensez à vous abonner aussi. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.